Madame, monsieur, bonsoir. Bonjour. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Ça va tranquillement bien installé. Ravi de vous recevoir, vous qui êtes tranquillement installé à la maison également. La jeune fille qui va passer une petite heure avec nous va immédiatement apparaître. On va faire l'énigme d'ici quelques secondes. Même, messieurs, attention, un accueil extrêmement chaleureux. Voici Fiona Gélin. Allons-y. Mesdames, messieurs, Fiona Gélin, un accueil extrêmement chaleureux, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Pleine forme? Parfait. Fiona, écoutez bien, on m'a dit que vous étiez très très forte sur les monsieur et madame. Ce oui. Soir, nous avons un monsieur et madame. Monsieur et madame, j'ai pas dit ça. Monsieur et madame, j'ai pas dit ça. Qui ont une fille? Comment se prénomme-t-elle? Si vous trouvez, vous me le dites dans l'oreille. Si vous trouvez, vous faites le 42 48 16, le 36 68 50 50 et le 36 15 TF1 rubrique coucou, de manière à ce que éventuellement on puisse se parler d'ici quelques secondes et vous puissiez remporter le filet garni. Vous avez une idée? Monsieur et madame, j'ai pas dit ça. Non, mais ça va viendre un peu plus tard. Ça va viendre un peu plus tard. Normalement, je me retourne comme ça vers la table, je dis nous allons rejoindre madame, messieurs, Patrice Carmouze, qui n'est pas là. Et où qu'il est, où qu'est-il, le voilà. Oui. Là, vous avez l'air très malin quand vous faites ce... Non, non, je parlais du geste. De quoi s'agit-il, Patrice? I am pushing by limit. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on va... On va parler de... C'est le titre de votre film, oui, n'est-ce pas? Pushing the Limits. Pushing the Limits. C'est un film français, oui, avec un titre, Pushing the Limits. Voilà. Vous en voulez à Jacques Toubon à ce point-là? Non, ah, mais bon, c'est comme ça. Il en faut un. C'est comme ça. Patrice, de quoi s'agit-il? Vous allez pousser vos limites maintenant? C'est un spaceball, c'est-à-dire que c'est une chose qu'on pourrait trouver dans des foires, des choses comme ça, et qui permet de simuler l'apesanteur. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dedans et que le monsieur fait tourner la machine... Quand il veut, je ne sais pas s'il veut essayer. Et puis vous essayez garçon, après. Hein. Pour un garçon comme vous, vraiment se mettre en état d'apesanteur, c'est vraiment pousser ses limites à donf. Complètement. Hein? Je ne peux pas plus pousser mes limites que ça. Oh, peut-être tout à l'heure dans l'émission quand même. Hein? Non, ouais. On va voir là déjà, monsieur. On essaye? Vous voulez qu'on essaye un coup? Puis de toute façon, c'est pas nous qui allons avoir mal au cœur. Hein. Je sais pas, on va, monsieur. Il n'y a pas de risque. Ça, en principe, ça marche? Ça marche. Bah, allons-y, allons-y. C'est bien, il est bien attaché, sérieusement. Ah ouais. On va pas le perdre. Non, non. En principe, ça va. Prêt? Tiens. Tout tient? Attendez, monsieur, excusez-moi. Hey. Non, non, ne le lancez pas, je vais le lancer, moi. Ça tient? Ça tient. En principe, tu tiens. Salut, je tire comme ça? Je préfère le faire. Préférez le faire? Vous n'avez pas confiance en moi? C'est dangereux. Oui, mais Patrice a confiance. Ah, c'est non, dangereux non, pour moi. C'est dangereux pour vous, pour le bras. Allez-y. Allez-y. Poussez vos limites à donf. Hop! Hop! Alors, je vais vous dire ce que j'ai mangé à midi. Bah, c'est pas la peine, Patrice, on va le voir dans deux secondes. Hein. Non, arrêtez ça. C'est pas la peine. C'est-à-dire que c'est l'intérêt, monsieur, c'est pour ça que la boule est en plexiglas. Ça suffit, cessez de hurler, Patrice. Au début. Attendez, monsieur. Au début, c'est assez drôle. Ouais, laissez, voilà. Au début, c'est assez drôle, voilà. Et puis après on gratte un peu d'être monté, voilà. Mais c'est bien. Hein. Alors, si vous voulez, c'est l'intérêt d'avoir le plexiglas, évidemment, c'est qu'après, un coup d'éponge, c'est propre. C'est ça. Et on est plus. Et l'intérêt, c'est que. Cela dit, on est pas si mal. Donc oui. On est dans des positions qu'on n'a pas l'habitude de prendre généralement. Et si on laisse faire la nature, c'est-à-dire comment ça va se mettre? Ça s'arrête. Ça s'arrête n'importe où. Laissez, venez, monsieur, on va discuter quelques minutes. Venez avec moi. Fiona, je vous présente donc ce jeune homme qui s'occupe de cette boule. Donc la particularité de cette boule, s'il vous plaît, jeune homme. La particularité, c'est les sensations un peu fortes puisque ça met en état d'apesanteur. On peut tourner tout seul. C'est dérivé des prototypes américains qui entraînent les cosmonautes à la NASA. Ah oui, très bien. Et bon, c'est importé en France par notre société. Est-ce qu'il y a vraiment une impression pour Patrice d'apesanteur? Disons qu'il ne sait pas si la tête en haut ou en bas. Ben, si, là, il doit savoir quand même. Là, il le sait parce que, il est arrêté. Mais quand ça tourne, on ne sait mais pas. Mais quand ça tourne, on vous ne sait pas. Vous l'essayez, Fiona? Ah oui, il faut essayer. C'est sans risque. Rapidement, c'est sans risque. Ah, c'est absolument sans risque, ou pas? C'est bien. Oui, je veux bien essayer, quoi. Ouais, ouais. Vous allez toucher vos limites. Ok. Oui. Ah, vous aimez ça, le sport, l'aventure? Oui, mais je préfère que pousser mes limites dans l'air, quoi. Là, enfermé dans une... Mais je vais essayer. Oui, ouais. C'est pas... Je vous jure truc, que c'est Patrice. Que dites-vous, Patrice? Oui, le type qui s'occupe de ce truc, s'il veut pas que je dise que c'est... Moi, je suis pas en sinon, je déconseille à tout le monde d'acheter ça s'il n'arrive pas dans les 30 secondes. Ouais. C'est vrai que vous n'avez pas exactement la tenue... Faut voir, Marc, mais... Ça y est, c'est bon, on peut... J'aurais dû prendre mes ribos. On dessert le tout. C'est bon. Non, vous nous dites, si ça vous pose un problème, vraiment, il n'y a pas de souci, on n'y va pas, mais maintenant... On est là pour s'amuser, non? Voilà, on est là pour s'amuser. Allez, Fiona Gélin, mesdames, messieurs, qui va pousser ses limites dans la sphère. C'est vrai.
Bien fait de pas avoir le... Jenna, au revoir. Cela dit, on aurait... On aurait pu parler de son actualité. On aurait pu parler de son actualité avant, des fois qu'il se passe un truc. Ah ben, elle va pousser ses limites et puis après on va les pousser avec elle. Mais si elle peut plus parler. Elle devrait pouvoir. Bon. Non, cela dit, c'est assez agréable au début. C'est vrai que vous êtes en petite tenue pour faire ça, hein. Donc vous êtes gentils, mais messieurs, nous n'allons pas en profiter. Oh là là, hein. Il va falloir tourner très vite. Voilà. Vous le faites court. Oui, oui. Court et strong. Court et vite. Oh là là. L'extérieur. Ouais, elle va pousser ses limites, la donf, je te dis. Je vais te haïr. Oui, c'est probable, c'est probable. Alors, donc, monsieur cherche un acheteur, l'inventeur du Spaceball, si jamais il y a quelqu'un que ça intéresse. Ah, parce que vous le vendez. On le vend. C'est magique à la maison, je veux dire. C'est... Oui, ouais, ouais. Ça coûte à peu près 40 000 francs. Oblige. Moi, je serais vous, Fiona, je ne ramènerai pas mon truc, je me concentrerai, parce que, attention, ça va démarrer. Je peux retirer ceci. Il faut que j'ai de la place. Attention. Il faut qu'il vienne là, monsieur. Venez ici, jeune homme. Vous venez ici. Génial. Ah, ça provoque, ça provoque pas les mêmes réactions chez les filles, vous voyez? Non, mais au début, ça fait rire. C'est au bout d'un quart d'heure. Ah, c'est super. Allez-y, jeune homme, mettez la sauce. Il n'y a pas de problème, elle est en pleine forme. Elle adore ça. Ok, ça va? Ah ouais. Vous n'avez pas goûté? C'est bien, hein, ça a l'air bien. Quand elles ont les cheveux en bas, comme ça, elles sont contentes. C'est bon, quoi. C'est bon, alors on arrête. Si c'est bon, on arrête. Le seul truc, je vais vous dire... Oui. C'est... Il faudrait mettre des posters de verdure, d'images et tout, quoi. Ah oui. Oui, mais nous, on vous verrait plus, donc ce serait beaucoup moins drôle. En principe, c'est en plein air. Hein. Ah oui, en principe, c'est en plein air, Patrice. Voilà. Oui, on voit les plages, on voit la mer. On voit le ciel. On a le temps de parler de l'actualité, bien sûr, immédiatement, dès qu'elle est redescendue. Ça aurait plu au Marquis de Sade, certainement. Comment? Je dis, ça aurait plu au Marquis de Sade. Sûrement, mais ça ne plaît pas qu'au Marquis de Sade. Je vous en prie, aidons la jeune fille à descendre, jeune homme. Hop. Merci beaucoup. Et bravo, Fiona, évidemment. Bravo. Le mec, comme Patrice, c'est ma courée. Allons nous installer immédiatement. Attention, Pushing the Limits, Patrice. Oui, c'est le film qui sort le 23 mars. Avec Fiona Gela. Sortie nationale. Nationale. Le 23, ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que demain, on est au Rex. Ah, pas mal. En première demain, ouais. En exclusivité. Vous êtes énervé? Une veille de sortie de film, est-ce que vous êtes énervé? Bizarrement, je suis beaucoup plus sereine que pour les autres films. Excusez-moi. Ouais, c'est vrai? Ouais. C'est un film d'exploit, c'est ça? Et d'exploit sportif. Complètement, oui. Vous avez le rôle d'une jeune femme qui travaille à la télévision, oui. Dans une télévision câblée, oui. Privée. Hein. Journaliste de sport. Voilà. Ouais. Et vous décidez, quelqu'un vous fixe un rendez-vous, d'y aller et je rencontre une tribu assez incroyable. De sportifs. De sportifs qui font du sport extrême et je décide de les aider. Alors c'est un film de Thierry Donnard. Absolument. Son premier film, premier long métrage. Avec Edouard. Edouard Mix, qui fait le rôle du méchant, mon boss. Et tout le reste ne sont pas des acteurs, mais des sportifs dans leur propre rôle. Absolument. Qui font en fait partie de l'équipe de Thierry Donnard. Ils se connaissent depuis 10 ans. Et il y a donc le rôle principal, c'est son premier rôle au cinéma qui est joué par Mark Twight, qui est un Américain qui normalement escalade des glaciers. C'est ça, qui est escaladeur de glace, donc. Voilà, ouais. En somme. Je sais pas comment on dit. Escaladeur. Glacier. Glacier, vanille, fraîche, chocolat. Et il y a, ils sont 7. Il y a Jean-Lou qui fait ski de vitesse. Oui, il y a du surf désert. Et il y a les sky surfeurs. Les sky surfeurs. Qui donc surfaient dans les airs. Voilà, ça, ils sautent d'un avion comme vous, un peu, vous le ferez au mois de juin. Qui est Laurent Bouquet, Eric Fradet et Patrick Deléon. Qu'est-ce qui vous a donné envie? Alors, c'est vraiment votre amour du sport et de l'exploit physique qui vous donne envie de faire ce film, ou est-ce que c'est une aventure cinématographique? Premièrement, parce que c'était une aventure, que ma deuxième passion après le cinéma et le théâtre, c'est de voyager. Et là, ça tombait bien, ce que vous... Et là, c'était pile... Chamonix, Bolivie, Argentine... Oui. Ouais. 2 ans. Et puis camp de base à 5000 mètres d'altitude. Enfin, c'était l'aventure extrême. Il y a des images de sport absolument magnifiques. Et vous êtes sportive? Très sportive? Bah, en fait, avant d'arriver à Paris, je l'étais. Enfin, j'étais à l'île de Ré, donc j'ai fait de l'équitation et de la voile. Oui, enfin, vous aimez bien les trucs para, le raft, le machin, Oui, ça m'amuse, oui. Ouais. On vous voit souvent dans des reportages faire des choses comme ça. J'ai fait le rafting. Ouais. Du parachute aussi. Bah, pour le film, oui, j'ai fait du tandem, oui. Mais j'en avais jamais fait. Alors? Ah,
c'est extraordinaire. Ouais, donc ça vous a pas déplu la petite boulette là? C'est assez sympa, la seule chose, c'est un peu, si tu le fais longtemps, ça manque, tu as envie de respirer, il faudrait de la musique, un bon petit groupe rock, ça serait sympa. Mais ouais. C'est vrai que, Patrice vous l'avez dit, c'est pour le plein air. Ce film s'appelle Pushing the Limits, mesdames et messieurs, et ça veut dire ce que ça veut dire, hein, pour le coup. Alors, pas demain au Grand Rex, et à partir du 23 partout. Voilà, hein? Oui. Et ben, hein? Oui. Tout va bien. On va se retrouver avec Fiona Gela, Patrice et tout le team d'ici quelques secondes, mesdames, messieurs, après cette tranche de publicité. Si, allons-y, merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour sur de la maison de la radio avec Fiona Gela qui nous accompagne, Patrice Carmouche, bien sûr, qui est avec nous. Et Fiona, nous allons parler avec la personne qui est à votre droite, qui est donc le témoin de ce soir, Patrice. Le professeur Papernick, qui est l'un des grands spécialistes, oui. Très heureux. On va savoir comment naissent les petits-enfants. Alors, l'actualité, en fait, c'est qu'il y a une cassette qui existe qui s'appelle Voyage dans le corps humain, de la Cité des sciences. Oui. Superbe. Oh, superbe, tout à fait. D'ailleurs, on va en voir quelques images. Simplement, cette cassette tente à démontrer quel chemin. Ben, ce qu'on va voir, c'est les images secrètes de l'intérieur. Mm-hmm. Comment se fait l'ovulation? Comment l'œuf sort de l'ovaire au moment extraordinaire de l'explosion de ce... Petite boule de rien du tout, comme ça. Et puis, hop, on va voir. Vous allez voir la première image. On va parler de la vie, en fait, et on va parler... Oui, d'ici quelques secondes, on va la regarder. Mais la vie, même avant la vie, en fait. Ah bah, la vie, c'est quelque chose de continu. Ouais. Mais les individus, ils changent et ils se fabriquent. Justement, quand on se rend compte, cet ovocyte et ce spermatozoïde, bon, c'est aussi une distraction, c'est aussi une façon de vivre. Et on peut appeler ça comme ça. Ouais. Voilà, mmh. C'est ça. Mais on a appris... Vous avez un enfant, finalement. De notre siècle, on a appris de notre temps... à reconnaître. Tout ça pour savoir, mais aussi pour traiter la stérilité et mieux... Qu'est-ce qu'on peut découvrir encore aujourd'hui avec ces images formidables qu'on va voir d'ici quelques secondes? Et qu'est-ce qu'on peut encore, qu'est-ce que quelqu'un pour vous peut encore découvrir que vous ne sachiez déjà? Ben nous, on le sait, c'est parce qu'on a petit à petit voulu apprendre comment ça marchait. Vous savez, on démonte toujours le réveil pour regarder à l'intérieur. Patrice fait ça tout le temps. Ouais. Ça fait combien de temps qu'on sait à peu près ça? Eh bien, les spermatozoïdes, on sait depuis 3 siècles. Mais l'ovulation, comme ça, on vient de découvrir, il y a 20, 25 ans, qu'on a compris comment ça marchait vraiment. Et c'est parce qu'on a su découvrir exactement le moment où ça se produisait qu'on a été capable de faire des fécondations in vitro, par exemple. Ouais. Parce qu'avant, on ne savait pas. Alors, oui, c'est ça. On va voir maintenant, si vous voulez bien, des images. Et vous allez tout de suite nous dire où ça démarre, où est-ce qu'on va se retrouver immédiatement dès qu'on va voir ces images. À la surface de l'ovaire. Donc chez la maman. Chez... celle qui n'est pas encore mère, mais oui. chez la femme. La femme, c'est 4 heures du matin au moment où elle ovule. Ah, c'est 4 heures du matin. 4 heures du matin. Ah oui, on a appris ça, oui. Mais... Vous saviez ça? Non, mais ça peut changer. C'est 4 heures du matin, il y a des jours pour et des jours sans, c'est ça? Ah oui, il y a une heure par mois, oui. Voilà. C'est presque le phénomène que vous allez voir. 4 heures du matin, donc il faut savoir que... Là, si on est à 4 heures du matin, voilà. Et on voit un petit... Mais la réserve de spermatozoïdes, elle peut arriver avant ou après. Par exemple. Voilà. Par exemple, bien sûr. Oui, le tout, c'est que ça arrive. Ah non, il vaut mieux qu'elle arrive avant. Après, c'est trop tard. C'est mieux. Après, c'est trop tard. L'œuf va prendre un certain temps pour cheminer dans la trompe, et puis là, il peut attendre un peu. Combien de spermatozoïdes arrivent à peu près en même temps pour qu'un seul élu ait droit au cadeau suprême? Eh bien, la dose d'injection, c'est quelques centaines de millions. Et il n'y en a qu'un qui arrive jusqu'au bout? Et il y a une sacrée compétition. Est-ce que c'est vraiment le plus balèze qui arrive au bout? Vraiment? Il faut lui demander, mais je crois quand même. Il y a des chances. Vous me le présenterez, j'y poserai la question. On va voir tout de suite. Ah, justement, là, 4 heures du matin. 4 heures du matin, on est au moment où les spermatozoïdes vont rencontrer. Non, ça c'est l'ovulation. Vous voyez, ce cratère, ce petit truc qui sort, c'est l'œuf, voilà, avec son environnement de cellules. Ça, on a mis beaucoup d'années à le voir. Ça, c'est la préparation des spermatozoïdes chez l'homme. C'est stocké chez l'homme avant qu'il soit mis en liberté. Qu'est-ce qu'on voit là? Ça, c'est avant. C'est des cellules qui fabriquent les spermatozoïdes. Voilà, les spermatozoïdes en liberté. C'est des organes libres, ouais. Vous voyez, et ils font tout ce qu'ils peuvent. Ben, ça dépend où vous les avez mis. Oui. D'accord. Et ils vont petit à petit monter dans les tractus génitales féminins, là, comme nous on est dans notre jargon. Là, on est chez la femme. Là. Chez la femme. Ça bosse déjà. Et arrivés, ils sont avec une attraction chimique extraordinaire vers la surface de l'ovaire. Et donc là, la bagarre commence pour être celui qui va gagner la course. Il y a une bagarre tout du long, une vraie course d'obstacles. C'est du super sport. Ben oui. Avant même qu'il soit parti de chez le garçon? Oui, avant même qu'il soit parti de chez le garçon, la bagarre a commencé. Parce que ceux qui sont mûrs au bon moment,
C'est seulement ce est-ce que, par exemple, le mieux placé au départ a une chance d'arriver avant les autres? On n'a jamais calculé ça. Non, mais c'est celui qui la recherche à venir, ça. Il y a peut-être une bonne position. On n'a pas fait d'analyse, c'est trop compliqué. Faire une course, un tiercé avec 500 millions d'individus qui démarrent, c'est un peu compliqué. Ça fait un gros machin. Voilà. Alors, avant d'arriver c'est ce qu'on appelle un gros meeting. Voilà. Avant d'arriver vers l'ovocyte, il y a des petits obstacles, non, c'est ça? Il y a des masses d'obstacles. Des masses d'obstacles. Il faut remonter le vagin, le col de l'utérus, ces 2, 3, 5 cm de l'utérus qui vont mettre... Et ça, c'est uniquement à la force du poignet, si je peux m'exprimer. Oui, enfin, le poignet... Non, mais c'est ça, c'est lui tout seul, c'est pas l'impulsion qu'on lui donne. Au moment du rapport sexuel, le plaisir provoque des contractions de l'utérus et contribue à la mobilité des spermatozoïdes. Donc, plus le plaisir est fort, plus la chance de plus ovuler... ça marche, voilà. Ah, d'accord. Ah, ça, on ne savait pas non plus. Alors, le plaisir est lié à la fécondation. Ah, comme qui dirait, oui. Ah, oui. Mais non, monsieur... Vous nous permettez d'être étonnés de temps en temps, parce que... Que nous, on parle du plaisir et qu'on le connaisse, non, mais on ne savait pas que le plaisir était lié. Vraiment, c'est que plus il y a de plaisir, plus il monte. Les animaux les plus efficaces en reproduction... sont les animaux qui prennent le plus de plaisir En tout cas, chez lesquels le moment de l'ovulation est branché sur le moment du rapport. Par exemple, la lapine est d'une efficacité extraordinaire en reproduction parce que c'est synchronisé. Et nous, on a beaucoup de mal à y arriver. C'est le bon moment. On va regarder d'autres images. Oui, regardez. Il est toujours à peu près 4h, 4h05, là, peut-être. Ça, c'est autour de l'œuf. On voit là les cellules de protectrices, le schéma du spermatozoïde qui va pénétrer à travers la membrane extérieure et pénétrer dans l'ovocyte lui-même. Et là, il y a un truc extraordinaire qui se passe, c'est que, vous voyez, là, la bagarre à l'extérieur continue, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce que la porte est complètement fermée, il y a un système de protection, une fois que le premier est entré... Crac. Il y a toutes les barrières qui sautent à toute vitesse. Et il y a un panneau qui sort, il est marqué « Occupé ». Ou il y a quelqu'un. Il ne peut pas y en avoir deux pour avoir des jumeaux. Par exemple, ce n'est pas deux spermatozoïdes. Ah non, non. Des jumeaux, c'est deux œufs. C'est deux œufs. Deux ovulations. Ou bien avec un œuf. Seul spermatozoïde. Oui. Ah. Ah non, 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 non. Chacun avec son spermatozoïde. Ah, chacun avec le sien. Puisque ça donne deux individus différents. Mais pourquoi se ressemblent-ils tant si c'est deux œufs différents et deux spermatozoïdes? Mais ça, c'est des faux jumeaux. Les vrais jumeaux. Et les vrais jumeaux, c'est... Vous allez voir l'œuf tout à l'heure. D'accord. Et au lieu de former un seul individu par un mécanisme qu'on ne connaît d'ailleurs pas... Ils se séparent. Ils se séparent au stade de quelques cellules et ça va donner deux êtres totalement identiques au niveau de leur constituant héréditaire. Ah, oui. Bon. Même groupe sanguin, évidemment. Oui, même tout. Alors, leur vie in utero va être différente. Mais après, Ils vont se ressembler beaucoup, ils vont s'aimer, pas s'aimer, peu importe. Mais ça va être deux individus exactement semblables au niveau de la propriété génétique. Nous retournons vers les 4 heures et des poussières. Oui, parce que là, on va voir ce que fait le spermatozoïde une fois qu'il s'est installé dans l'œuf, dans l'ovocyte. Il fait fusion avec, et deux cellules, ça y est, 24 heures. Et puis bon, c'est très accéléré, 48 heures. C'est à l'intérieur de l'œuf. Qu'est-ce que c'est que toutes ces... Ah, ça, c'est à l'intérieur de l'œuf. C'est des cellules... Alors, c'est infiniment accéléré. C'est vous, ça. Mmh. Ah ouais, mais petit. Vous voyez, puis vous allez devenir quelques billions. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le cerveau qui se constitue, alors c'est très accéléré, la progression des cellules nerveuses, qu'on a réussi à filmer merveilleusement, je crois, et le cœur, voilà. Ça, c'est le cœur qui bat. Ça commence à marcher. Vous voyez, il y a juste une toute petite surface de rien du tout. Les toutes petites membranes cellulaires, ça marche déjà. Il y a des cellules de globules rouges. Et voilà, on voit les yeux, on voit les yeux. Voilà la tête qui se forme, les mains. Et oui. C'est exceptionnel. Et là, c'est des images étonnantes. Vous voyez, le foie, là où se fabriquent les globules rouges pendant la vie intra-utérine. Quel âge il a à l'intérieur? Deux mois, trois mois? Non, ça se compte en 6 semaines, 8 semaines. Vous voyez, il commence à bouger. Avant qu'on le perçoive, ça bouge bien à l'intérieur. Ça, c'est le cordon ombilical qui marche à chaque contraction du cœur de l'enfant. Et puis petit à petit, là, il va faire 4, 5, 6 cm. On pourra bientôt le reconnaître en échographie. Ça, c'est ce que nous, on voit quand Ça, c'est l'image ordinaire qu'on voit chez l'échographiste avec les membres, la tête, le cœur qui bat. Et ça, bon, ça y est, c'est parti. La fusée est lancée. Ça mérite, mesdames, messieurs, quelques applaudissements, si vous le permettez. Il n'y est pour rien, mais c'est très très beau. Hein. Non, mais il connaît bien. Il connaît bien, oui. Il connaît bien. Formidable. Vous avez en tant que jeune femme, maman, si vous avez une question à poser à M. Parpézanik, il faut en profiter maintenant. Non.
Ouais, on reste, on reste un peu... J'en aurais trop à en poser, donc... Mais vous aviez déjà vu ces images? Comme ça, non, moi. Non, pas comme ça, non. Alors, nous, les images de spermatozoïdes, on les connaît donc dans les livres et depuis très, très longtemps, mais les images d'ovulation, on a mis beaucoup, beaucoup d'années à comprendre et à les démontrer. Et celle-ci était particulièrement belle. Ah, bah, c'est absolument magnifique. Symboliquement et esthétiquement, c'est très beau. Patrice? La cassette, elle s'adresse à qui? Aux adultes? À tout public. Tout public, hein. Oui, et ça a été... La Cité des Sciences a essayé de montrer... Les images de la vie, et ça c'est intéressant. Je crois qu'on est dans un temps où il y a des problèmes compliqués qui se posent autour de la fécondation in vitro, au cours du diagnostic prénatal, on a des problèmes compliqués, et il nous paraît vraiment important qu'on sache vraiment les choses, qu'on ne nous raconte pas des histoires autour de ça se passe comme ça ou ça se passe comme ça, sans nous les avoir montrés et sans les avoir montrés à tout le monde. Est-ce que vous avez entendu des sons que vous n'auriez pas entendu avant avec toute la technologie d'aujourd'hui? Vous arrivez à avoir des images sublimes. Est-ce que vous avez entendu des choses que vous n'aviez jamais entendues? Ah ben, rien que les bruits du cœur, de la façon dont on les entend. Avant, on les entendait avec un appareil qu'on mettait sous le ventre, qu'on entendait à partir de 5 mois de grossesse. Maintenant, on les entend à partir de 7 semaines d'absence de règles. À l'échographie, vous entendez le... La première fois que vous avez vu, vous, ces images, qu'est-ce que vous êtes dit, vous qui travaillez depuis des années dessus sans... Ah ben, les premières images d'échographie, il y a 25 non, ans, non, on non, a non, été non, je parle des images que nous venons de voir, là. Qui les images, celles que moi j'ai trouvées extraordinaires, c'est l'image de l'ovulation, du cratère qui laisse sortir l'œuf. Ça, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à l'obtenir, et c'est une superbe image technique. Bon, merci en tout cas, monsieur Papianet. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université René Descartes, chef de service à la maternité de Port-Royal. De Port-Royal, et c'est pour ça qu'il y a deux livres du professeur Papianet qu'on peut se procurer. C'est Naître, et c'est Le Guide de la Grossesse, parce que vous êtes gynécologue, quoi. En gros. Merci, monsieur Papianet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était magnifique. Patrice, on va prendre la question. Fiona, soyez très attentive. Des questions téléspectateurs, bonsoir, votre prénom s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, c'est Lilian à Paris 20e. Lilian, oui voilà, masculine de Lilian. Bonsoir Fiona, bonsoir. C'est bonsoir. C'est votre vrai prénom Lilian? Oui, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Il y a eu un Lilian Corbera-Béraud qui jouait au rugby. Ah bah oui, évidemment, au rugby, oui. Alors Lilian, nous vous écoutons, Fiona vous écoute. Lilian, Fiona, j'aurais voulu savoir si vous aviez suivi une préparation physique pour jouer dans ce film. Pas spécialement, en fait, j'ai vécu 2 mois à Chamonix, où j'ai d'abord appris à skier, parce que je ne savais pas skier, et puis ensuite j'ai fait 2 sauts, de parachute à Chamonix aussi, pour me... Donc en fait, je me suis fait des globules rouges pendant 2 mois à la montagne, avant de partir en Bolivie, oui. Ah ouais, d'accord, c'est bien. Voilà. Ok, merci. Au revoir, jeune homme. Merci, bonsoir, et puis à bientôt. Et à bientôt, Lilian. Ok, salut. Ciao, merci beaucoup. Une autre question pour Fiona Gélin, allons-y. Bonsoir, s'il vous plaît, votre prénom. Oui, bonsoir, je m'appelle Janine. Bonsoir, Janine, d'où nous appelez-vous? De Romainville, en banlieue. Très bien, Janine, quel âge avez-vous? 39. 39 ans, vous travaillez, Janine? Oh, oui, tout à fait. Très à bien. Paris, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites? Je suis dans une caisse de retraite, à l'UBS. Caisse de retraite? Oui, tout à fait. On vous écoute, Janine. Alors, Fiona, je voulais savoir si vous auriez aimé être un homme. Non. Difficile. Non, non, pas du tout. Ah, vous voulez dire physiquement? Physiquement et moralement aussi, parce que je pense que... C'est-à-dire que physiquement, c'est formidable, un homme, et moralement aussi, c'est formidable. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est ça non, que vous voulez dire? Peut-être dans certains films, peut-être qu'elle aurait aimé justement avoir le rôle d'un homme pour... Non, en aucun cas, je... Vous êtes bien comme fille. Oui, et puis j'ai une préférence pour les femmes. Bon, d'accord. Bah, c'est rare, ça, chez les filles, hein? Oui. D'habitude, les filles... Ça ne veut pas dire que je vis avec un homme, j'aime les hommes, mais je trouve qu'une femme est beaucoup plus agréable à regarder, plus... Oui, ça, c'est sûr, mais... Ça, c'est parce que vous ne m'avez pas venu. Il y a plutôt des mecs, hein, ici. Ah, les garçons, là, ils sont verts. Bon, qu'en pensez-vous, Janine, vous-même? Moi-même, écoutez, je vais vous dire honnêtement, par moment, je pense qu'un homme, si on pouvait momentanément changer, ce serait formidable, parce que j'estime qu'il y a certains moments dans la vie où être un homme, je pense qu'en face d'un autre homme, c'est plus facile. Je veux dire par là qu'on a plus de défense en tant qu'homme que femme. Ah, mais ça, c'est si vous tombez sur un homme qui profite de sa force physique, oui, c'est un couillon, il y a des couillons partout. Hein. Oui, bien sûr. Mais enfin, je pense que, je vous dis, un homme costaud, c'est plus difficile de dire certaines choses à un homme qu'à une femme. Faut voir. Oui, faut être pervers. Non, tout à fait, mais bon. Faites nos amitiés à votre mari quand même, Janine. D'accord. Au revoir. Merci. On va prendre une autre question pour Fiona Gélin. Allons-y, bonsoir, s'il vous plaît. Allons-y, bonsoir. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Sarah. Sarah, bonsoir.
Bonsoir, j'habite à Boissy-Saint-Léger. Ok. Et j'aurais voulu savoir, Fiona, oui. Que détestez-vous le plus chez un homme? Une seule chose? Plusieurs ou une seule? Je dirais... la négativité. C'est-à-dire quelqu'un, pas forcément, mais quelqu'un qui est aigri, quelqu'un qui voit noir, quelqu'un qui n'est pas positif, quoi. C'est-à-dire le côté râleur. Pas... Le mec qui dit non tout le temps. Quoi. Négatif. Négatif. Mec, ça va? Non. Ah. Bon. Mais ça va aller. Enfin, c'est un ensemble. Bah le... Négatif. Ah, ouais. Bon. Et vous, qu'est-ce que vous détestez le plus chez les garçons? Ben, la malhonnêteté, je crois. Eh ben, c'est très bien. C'est pareil. Hein. Vous avez bien raison. Ouais. Très bien. Patrice, par exemple, qui était un peu malhonnête. La malhonnêteté. Ah, je n'ai pas entendu. On vous embrasse, mademoiselle. Merci, moi. Bonsoir. Au revoir. On voudrait vous dire que Dick et Diffoul, qui sont... Doc et Diffoul, oui. Qui sont venus nous voir... C'est marrant, ça fait deux fois que je dis ça. Ils sont venus nous voir la semaine dernière et ils vont revenir faire un petit tour par chez nous jeudi. Donc, si vous voulez leur poser des questions ou simplement dialoguer avec eux, vous faites le numéro de téléphone que voici, car il ne manquera pas d'apparaître sur votre écran dans la seconde où j'aurai terminé. 36 68 50 50. Eh bien, Patrice, sinon... Et sinon, par Minitel, 36 15, TF1, rubrique coucou, voilà, et puis vous pouvez leur adresser toutes les questions que vous souhaitez, ils y répondront. Nous sommes mardi, ils arrivent jeudi, enfin ils viennent jeudi, Patrice. Viennent jeudi. Alors, vous savez faire des choses avec les mains comme ça, de temps en temps qu'ils font des... Bah, pas ouais, toujours. Hein. Ça dépend, alors, je suis pas trop manuel. On va recevoir un couple formidable, un homme et une femme. Lui vachement. Oui, moi je sais bien faire des trucs, qui font des ombres chinoises. Ah, c'est super ça. C'est génial, oui. On va voir ça tout de suite alors. Ouais, tout de suite. Et on les accueille immédiatement. Oui, les Black Fingers, Réginald les applaudissements de la foule, bien sûr. J'ai brûlé toutes les planches de Broadway à Timbuktu. Et plus d'une fois, c'est que j'étais une grande star à mon époque. Oh mon Dieu, c'est reparti. Quack. Uniquement avec des mains, mesdames, messieurs. Hein. Dites donc. Ouais.
c'est pas fini, c'est pas fini. C'est Myriam et Réginald, ils sont tous les mercredis au théâtre du musée Grévin. Au théâtre du musée Grévin, tous les mercredis, les Black Fingers avec Réginald et Myriam, qu'on peut applaudir encore parce que beaucoup de talent, beaucoup de travail. Quoi ? Venez. Bonjour. Bonjour. Et bravo, mademoiselle, bravo, madame. Je vais vous apprendre, je vais vous faire un petit condensé. Un petit cours, rapidement, avec plaisir. Oui, oui. Très rapidement, parce que ça peut être sympa. Donc c'est, reste là. C'est le prémisse un petit peu du cinéma. Alors donc, si vous voulez, je vais vous prendre chacun votre tour, parce que je vous ai prévu quelques petites avec séquences. Avec Fiona alors, avec Patrice et puis avec on vous. Alors, on va regarder tout ce que vous avez fait tout du long. Regardez bien. Fiona, vous allez juste vous mettre... On a 3 minutes en tout. 3 minutes en tout. Et vous mettez simplement votre main comme ça. Voilà, de manière... Je vais vous guider. Voilà, très bien. Celle-ci. Voilà, avancez-vous un tout petit peu pour être dans la... Voilà, c'est parfait. Et regardez, je vais vous montrer comment on peut faire un petit lutin qui vient vous embrasser. Alors voilà, regardez bien ici. À partir de maintenant, c'est parti. Vous baissez la lumière, les gars, on voit l'écran, là, on voit rien. Je baisse un petit peu, voilà, c'est parfait. Attention, regardez, hop, voilà, ça y est. Maintenant, regardez-moi, c'est là, regardez-moi. Approchez votre bouche, voilà, sur... Hop, un petit déco, ça y est. On le refait encore une fois, attention. Allez-y, un petit déco. Hop, voilà, ça y est, c'est parti. Il va se relever et il vous salue. Merci. Bravo. Joli. Ah ouais, bah, je vais le faire tout seul, alors. Ouais, Patrice, venez. Venez là, Patrice. Un petit bisou, venez là. Patrice. Un petit bisou. Non. Cette fois-ci, venez monsieur Lefebvre. Venez, asseyez-vous ici. Monsieur Lefebvre, avec la bouche. Je vais vous montrer. Avec la langue. Mettez simplement la main comme ça, de manière à obtenir ceci. Regardez, voilà. Comme ça, le poing fermé. Attention, le poing. Attendez, avancez-vous. Ah oui, c'est voilà. Avec Patrice. C'est parfait. Voilà, la main comme ceci. La main, voilà. Non, suis ce côté-là, ne regarde pas là-bas. Voilà, la main ouverte. La main ouverte, voilà. Ici, comme ceci. Ah oui, c'est pas simple. Hein. De manière à obtenir ça, regardez. Regarde, non, ne regarde pas là-bas, regardez si sa main. Si, vous regardez. Voilà. Regardez attention. Ah oui, c'est pas tout à fait ça. Ah bon. Attention. Regarde sa main. Ah, tiens, regarde. Regardez. Ça, c'est pas mal. Et alors, et ça, c'est quoi, on peut arriver, normalement, si on mettait ceci, on arriverait à faire Yannick Noah. Mais je vais vous le refaire. Alors attention, on va envoyer la musique, vite fait. Allez-y, envoyez la musique. Voilà, on va peut-être avoir Noah. Attention. Voilà. C'est bon, je vais vous faire. Bravo. Et juste avec vous, Christophe, vous savez faire du piano, c'est ce que j'ai senti. Vous allez simplement regarder avec les mains, faire comme si c'était du piano, et on va finir par un joueur de pianiste jazz. À un moment donné, si vous voulez, vous pouvez lui prendre le cigare et en faire ce que vous voulez, d'accord? Alors regardez, on va mettre là, approchez-vous, vous allez voir, approchez-vous, voilà. Et attention, c'est parti, on va entendre la musique. Les mains un petit peu plus. Voilà, c'est très bien. Oui. Bravo, merci beaucoup. Les Black Fingers, mesdames, messieurs. Nous restons ici, nous envoyons la pub. Et nous retrouvons avec Fiona, Patrice et le reste. À tout de suite. Bravo, les Black Fingers. Merci beaucoup. Bravo. À tout de suite, donc.
Mesdames, messieurs, nous voici de retour au 102 de la Maison de la Radio avec Fiona Jonas qui nous accompagne, Patrice Carmous qui est près de nous. Et vous avez vu tout à l'heure une bonne annonce pour le match de ce soir PSG-Real de Madrid. Allez, PSG, PSG, wow, wow. Retour. Patrice. Ils ont gagné à l'aller. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Fiona? C'est une question avec ça. Dis donc, avec... vous avez quelle avec ça. Regardez, non, avec ça, ça. Bon, une bouteille vide. Un pull, pneu, cachemire quand même. Et du papier recyclé, puis même, tiens, allez, pour la bonne bouche, ça. Ce n'est pas une poubelle, Patrice. C'est du pneu, un pneu, de la mousse, des vieux papiers, une bouteille de plastique, un pull au vert. On fait quoi? On fait quoi avec ça? Fiona, réponse. Allez. Réponse. Oui, bien sûr que je sais. Vous voyez, donner une réponse, s'il vous plaît. Bon, je vous le dis. Bah oui, parce que moi, je ne le savais pas avant qu'ils me le disent. Donc, c'est une chaussure, on peut faire ça. Une chaussure de randonnée. Une chaussure de randonnée, avec 75% de matériaux recyclés. Formidable, donc chaud avec la mousse, pas transpirant avec le caoutchouc. Il y a du papier, je sais pas où. Non, mais et ça, c'est quoi, la semelle à l'intérieur, un pull. C'est ça? Non, non, mais ça doit être... Un pull ça vert. Doit être, ça doit être... Non, mais c'est bien, hein. Non, non, mais il n'a pas fait exprès, hein. Il vous a dit un pull, il a vraiment cru que vous demandiez c'est quoi. Ah ouais. Ouais, c'est, on sait que c'est un pull, Patrice. Elle vous demandait où ça se mettait dans la chaussure. Clac, clac, clac. Ah, mais ça se met pas forcément... Après, on fait cuire tout ça. Ah, ok. Et bien on sûr. Obtient une chaussure, bien une randonnée. Ensuite, Patrice. Non, pas bien, ça. Si, c'est non, formidable, super, super. Formidable. Alors, très belle poursuite. Très bon. Bon. Alors, allez-y. Ah oui, vous savez faire les œufs pochés? Est-ce que vous savez faire la cuisine? Oui. Non. Je vais vous montrer. Venez, venez, venez. Mal. Bon, on fait... Je sais faire simple. De l'eau bouillante, c'est comme ça, hein? Oui. Oui, mais doucement. Mais doucement, non, là, vous allez faire... Hop. Mais doucement, l'œuf poché. Ça, c'est pas facile un à faire. Un peu de vinaigre. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à un mètre. Allez-y. Tandis que maintenant... Ah oui, maintenant... J'ai une paire de ciseaux. Ouais, ça doit être sympa, ça. Ça, c'est chimique, bonjour. Ah non, non, c'est des vrais œufs pochés. Ah bah tiens, évidemment, mais, c'est pas des baguettes. Regardez, tiens, goûtez ça. C'est des vrais œufs pochés, mais sous cellophane, c'est comme... Après, il faut enlever le truc, quoi. C'est le même... Hop. Oh là là, oh là là. Ah, il est poché, ah il est poché, la casserole, la casserole. Bravo. On applaudit. Sortez-nous votre œuf poché. Je vais vous inviter à la maison, Patrice. Magnifique. Pas mal. Ah ouais. Ah ouais, magnifique. Et celui-là à côté, ça, c'est la même chose, mais c'est plus difficile parce qu'il faut enlever le plastique. Le plastique. Plastique. Ça, c'est pas... Okay. Prendre le cutter avec. Oui. Il fallait mettre du vinaigre, vous savez. Ah, si on veut, oui, on peut. Bah, ça évite surtout que ça fasse le schmier. Enfin, c'est pas très facile à ouvrir, mais c'est des œufs pochés tout près. Bien. Et puis un petit dessert pour finir. C'est que vous l'avez même pas ouvert, ouais. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Mais ça fait rien, nous l'ouvrons pas. J'avais peur qu'on les mange. Vous voulez qu'on le mange? Non, vous êtes malade. Enfin, vous allez être... Il me reste une promotion à faire. Alors, allez-y, Patrice, la suite. Une dernière chose. Alors, voilà, ça, je voulais vous faire goûter. J'ai des petits œufs pochés. Oh, c'est chaud. Ça, vous savez ce que c'est? Sympa. C'est appétissant. Ça, ce sont des raviolis. Oh, au chocolat. Et des raviolis au chocolat. Oh, dis donc. C'est génial, ça. Ça, c'est vachement bon. Le pull dans les raviolis. Attendez. Non, mais c'est un vieux pull. C'est... On peut manger, c'est ça, ou c'est une blague? C'est un vieux pull sale, c'est pas grave. Alors, vous mettez un petit peu de crème comme ça. C'est... Non. C'est pas une blague, c'est des vrais raviolis. Non, Fiona, allez-y. C'est des vrais raviolis au chocolat. 135 francs le kilo. Ah non, c'est Patrice le responsable des raviolis, c'est pas moi. Ah non, ils sont bons. Allez-y, goûtez. On n'a jamais fait manger des aurores à ça quelque soit. Ça cuit environ 8 minutes. Ça se trouve à la grande épicerie de Paris qui va avoir lieu du 12 mars au 3 avril. Allez-y, dans le 7e. C'est comment? Ça a l'air délicieux. C'est bon à la maison. C'est un nouveau dessert. Ah ouais, ça doit être bon. Là. Alors, et vite fait, où est-ce qu'ils sont? C'est des pâtes au chocolat, mais... Il n'y a plus Ah, il y a des pâtes, ouais. Ah. Ah, on sent bien, la pâte, hein. Allô? Oui. On sent bien la pâte de la raviole. C'est bon, hein? Non? Bah, c'est le mec qui aime beaucoup les pâtes plus que le chocolat, il trouve ça bon. Hein? Alors. Oui, moi j'ai pas goûté. Ah oui, mais ça se voit. Moi j'ai faim. Mais c'est bon. Allez. Alors, il faut aller là-bas. Allez-y. Non, il faut venir. Non, mais Fiona aussi. Il faut venir avec moi. Parce qu'autrefois, quand vous vouliez prendre une photo. Fiona, allez-y. Venez voir. Qui reste là? On reste là. Autrefois, on voulait. Non, vous pouvez venir. On voulait prendre une photo. Regardez, et après il faut vite retourner là pour se faire prendre en photo. Patrice, vous laissez une petite place, oui. Bien. Allez, c'est bon. Bon, il fallait courir. Il fallait courir, tandis dedans. Qu'avec celui-là. Il n'y a pas de pellicule dedans, Patrice. Si. Mais normalement, elle doit sortir. Bon, elle va sortir. On va la sortir. Regardez, attendez, avec celui-là. Mais normalement, la photo sort. Je crois pas qu'elle est pas changée. Vous allez voir. Avec celui-là, c'est beaucoup mieux parce que j'arrive tranquillement. Et là, regardez. On appuie sur la... Tac. Restez comme ça, surtout, Patrice. Restez comme ça, Patrice. Attendez, appuyez, il faut appuyer. Non, restez ici. Faut viser. Restez ici.
Appuyez, Patrice, appuyez. Vous allez être flou, hein, si vous êtes tout prêt. Vous êtes flou, Patrice, vous êtes flou. Je vais vous mettre un bourre-pif, Patrice. Où est-ce qu'il est? C'est dingue, il a pas goûté les ravioles, il a pas tenté la photo avant. Mais il est dangereux. Bah là, ça va, c'est quand c'est avec des armes à feu. Ouais, c'est bon. Ah non. Non, c'est le dernier bouton qu'il faut. Ah. Voilà, le gros. Voilà, le gros, on a appuyé dessus. Vite. Non, on a le temps là maintenant, parce qu'on a la télécommande. Ah bon. Là, on peut. On a pas le temps. Et pourquoi? Ça y est. Déjà placé. On placé par là. Et là, en plus. Une autre. C'est pas fini, Fiona, c'est pas fini. Ça sent la nourriture. Ça sent l'œuf. Oui, ça sent l'œuf. Mais c'est l'œuf poché. Ouais. Regardez. Appuyez, Patrice. Ah, bien. Ah, c'est bien. Et bon, la photo, on l'a voilà. Ah, oui. On va faire la réponse au jeu et puis pendant ce temps, elles vont sortir. Bah, même de cet appareil-là, les photos vont sortir. Ah, elles sortent toutes seules, celui-là. Donc ça, c'est formidable. On va prendre des premières réponses à la devinette de début d'émission. Monsieur et madame, j'ai pas dit ça, ont une fille, bien évidemment. Vous avez été nombreux à réfléchir. Vous n'avez pas trouvé Fiona. J'ai pas réfléchi. Première proposition, votre prénom, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, c'est Jean-Michel à l'appareil. J'appelle de Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonsoir, monsieur Jean-Michel à l'appareil. Bonsoir. Quel âge avez-vous? 26 ans. 26 ans, faites-nous votre proposition. Je propose Aimer. Aimer, j'ai pas dit ça? Aimer, j'ai pas dit ça. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. Non, je suis désolé. Bon, mais je vous remercie. Au revoir, camarade. Il y a quelque chose, je m'excuse, il y a quelque chose qui daube, qui sent le brûler. Oh là là, il faut débrancher la plaque électrique, les garçons, là. Oui, tout est en train de brûler, là. C'est rien, Patrice, c'est rien. Deuxième proposition, bonsoir, votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Juliette. Bonsoir, Juliette, quel âge avez-vous? J'ai 28 ans. De nous appelez-vous, Juliette? De Suresnes. C'est pas loin de Paris, ça? C'est juste à côté. Ouais. Blonde? Non, brune aux yeux très bruns. Non. Et célibataire et... Et un pommade et tout. Et vachement sympa. Et... Absolument. Je vous écoute, mademoiselle. Rappelez-moi votre prénom. Juliette. Juliette, ravie son prénom. Ma réponse, c'est Manon. Ah. Oh. Manon. Oui. Pourquoi vous dites A? Ah. J'ai dit A. Oui, vous avez dit A. Ah oui. J'ai dit A. Incontestablement. Oui, ah bon? Ah oui, ah, c'était ah bon, c'était ça que vous vouliez dire. Manon, parce que monsieur et madame, j'ai pas dit ça, ont une fille Manon, j'ai pas dit ça. Il faudrait demander à monsieur Ansel qui nous a envoyé la devinette. C'est celui qui gagne le téléphone sans fil. Philippe s'est équipé d'une mémoire de 10 numéros et d'une protection à l'accès de la ligne. Oui, là, il faudrait demander, mais on l'a pas. Non, mais c'est ça, vous avez gagné, Juliette. Ah, bah voilà. Manon, j'ai pas dit ça. Oui. Ah oui, bien sûr. Vous pouvez pas nous dire pourquoi vous avez fait ah? Non? Parce que j'avais louché. Ah! Manon, ah, d'accord, oui, d'accord. Ah! Pas de ça. Qu'est-ce que vous léchez là? C'est l'œuf. Mais le. Il est frais? Sous vide. Il est frais? Oui. Qu'est-ce que vous avez gagné, Juliette? Patrice va vous le dire tout de suite dès qu'il va être reconcentré. Un séjour d'une semaine pour deux personnes à Tignes en Savoie. Oh, génial! Alors vous génial, avez fait... génial. Oh, elle est heureuse. C'est un peu grâce à moi, Juliette. Oui, complètement grâce à vous. Non, je plaisante. Bon, ben, vous avez une personne de votre choix pour aller faire du ski? Oui, absolument. Ok, Patrice. Elle va pouvoir faire comme Fiona, c'est-à-dire pratiquer le ski et notamment le ski d'été. Surtout. Donc et vous choisissez votre date, hein? C'est vrai. Je peux y aller en hiver quand même. Comment? Je peux y aller en hiver quand même. Il te reste une semaine, hein? Oui. Après ça ferme. Ski d'été ou on... Non, mais on peut à Tignes, on peut tout faire. Printemps, on peut faire l'hiver comme oui, l'été. C'est bien. Exact. Vous avez le choix dans la date, en tout et, cas. Et comme vous pouvez passer aussi des nuits dehors, nous vous offrons un ensemble de randonnées La Fuma, comportant sac de couchage, tente, sac à dos de randonnée Lady 50 et sac à dos Red Montagne, c'est pour vous dire. Dites donc, Juliette, vous allez être équipée comme une vraie de vraie, là. Oh là là, mais je ne sais pas comment vous remercier, parce que j'étais vraiment triste avant l'émission. Déjà, ça m'a remonté le moral, l'émission, et puis là, vraiment, ça va plutôt bien. Eh bien, Juliette, dites donc, on a fait une heureuse, on vous embrasse bien. Super. En plus, hein. Patrice aussi vous embrasse. Oui, bien sûr. J'ai un petit cadeau pour Fiona et vous. Ah oui, on n'a pas l'air idiot du tout. Et vous n'êtes pas sur la photo. Je suis pas sur la photo, mais je peux pas tout faire. Bah si, mais je vous étais devant. Ah, mais je pourrais tout faire en principe. Juliette, soyez heureuse, amusez-vous bien. Hein. Merci beaucoup. Au revoir, Juliette. Au revoir. C'est tout petit. C'est hein. Tout petit, ça vous fait un souvenir. C'est sympa avec l'équipe derrière et tout. On va la montrer, cool, on va la montrer. C'est ici, les gars, amusez-vous. Bien. Pendant ce temps-là, Patrice, nous montrons autre chose. Pendant ce temps-là, on va faire. Alors là, vous voyez, là ici, là, il y a Fiona, là, il y a moi, et là, il y a Patrice.
Je ne suis pas encore tout à fait au point pour le carnaval. C'est rien, vous êtes en rodage, c'est bon. Mais c'est bien. Patrice. Alors maintenant, on va accueillir Laurence et Marion qui vont nous faire faire de la remise en forme. Pardon ? De la remise en forme. Mais je suis très en forme. Moi, mais non, vous êtes remise en forme très vite grâce à une nouvelle méthode. C'est le Total Body Conditioning by... Nike. Ah oui, Nick. By Nike. Alors attends, ça, c'est parti. C'est, non, c'est la méthode de gymnastique qui me connaissait. On va pas qu'elle me cherche non plus. Hein. C'est la méthode... Stop. Méthode TBC. Bien, Fiona ? Non, rien. On y va, alors. Et nous, on n'a pas le costard noir, les filles. Hein. C'est pas grave. On s'excuse. C'est pas grave, ça pour la prochaine fois. Véronique ? Non, pardon. Non. Marion. Non. Ah, Marion et Laurence. Marion et Laurence. C'est moi. Donc, alors, on commence par quoi ? Doucement la musique, les garçons, pour l'instant. Nous allons faire le un step. Mini cours TBC by Nike. Regardez par là-bas, plutôt. Voilà, oui. C'est vrai, ce sera un peu... Voilà. Et donc, un petit tour de TBC, Total c'est Body. Une nouvelle méthode de remise en forme. Ouais. Qui va bientôt faire des ravages dans les salles. Donc on y va ? Ah ouais, j'aime bien ça, ok, ouais, c'est super, ok, c'est parti. C'est parti, okay, ouais. Alors on va commencer avec le step. Là-bas, Fiona, ok. Ok, 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 ok. Alors okay. Vous prenez chacun votre... Ok, ok les monos, on y va, ok. Alors on commence avec fais le péter, step. Fais péter, fais péter, fais allez. Le step, c'est-à-dire ce qui se situe juste derrière, voilà. Derrière le step. Derrière le step. Ça c'est super. Le step. Voilà, donc on se place devant son step. Je rigole okay. Déjà. Et on commence à marcher sur place. Ouais, ouais, ça c'est okay, vraiment, si ça c'est vraiment qu'on a rien à foutre. Tout petit peu plus fort. C'est vraiment qu'on a nulle part où aller, surtout. Voilà, et maintenant on va monter et descendre sur le step. On monte et on descend, en essayant de ne pas tomber. Allez, mais voilà. Allez, on en fait par quatre. Essaye de bien monter les pieds sur ouais, le step. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ah là, Massimo. Et attention, maintenant on va tourner. Oui. Alors on tourne. Alexandrine, Alexandra. Ok, on passe au deuxième. Alors là, on va prendre les barres. Nous allons prendre un peu des barres. Ah oui, on prend les barres. Oh là là, ça pèse un allemand. Un tout petit peu. Ça permet de muscler un petit peu. Ah. Un renforcement de muscles. Je vois que mademoiselle est en forme. Oh, ben moi, ça va faire du bien. C'est ce que je dis. Ah. Alors, on se place. Tonk. Pieds parallèles. Mais les presque. Bras en bas. Voilà. Ok, ok. Et là, on va simplement ramener la barre ici. Alors, c'est pas très lourd. C'est tranquille. Hein. C'est facile. Alors, on essaye de pas bouger son dos quand même. Ouais. Voilà. Et maintenant, on va monter la barre au-dessus de la tête. Et descendre derrière la tête. Aïe. Et pousser là, vers le haut. Là, on travaille les épaules. C'est ça. Voilà. C'est ça que le mec qui a un peu mal aux épaules, là, il est cuit une fois qu'il a fait ça une demi-heure. Vous voyez ce que je veux dire ? Peut-être refaire par le bas, moi, vous voyez ? Par le bas, c'est un peu bien, plus ça, cool. C'est cool. Très bien. Oui, c'est voilà, bien. C'est cool. Ça dépend de la, ça de fait la douleur. Ça fait partie des appareils qui nous permettent de faire du renforcement. Faut qu'on aille un peu vite, donc si on peut voir... Faut qu'on aille un peu vite. Ah. Alors, on va faire les exercices. Maintenant, on peut s'en servir autrement, ce truc-là qui fait 3 kilos. Ici, on prend rapidement les élastiques. Ah ça. Où ça ? Les élastiques. Ça va, Christophe. Ça va, c'est juste, j'ai fait tomber le truc, c'est pas grave. Les élastiques, on place les élastiques sur les épaules. On est en train de toucher nos limites, là, encore. On hein. Pousse les limites. Ah, je vous signale que c'est le film dans lequel vous trouverez Fiona Gela à partir de mercredi. Hein. Et ah, on va travailler c'est les très cuisses. Dangereux. Et on est en train de se quitter. Oui, parce que ça, c'est le... On est en train de se quitter. Tout le salon du Bourget, hein, le salon fitness du Bourget aussi. C'est là, c'est ça. C'est là qu'on a trouvé. Merci à la méthode MB Scénic. Hein. Et Fiona Gela, accueil pour elle, merci, pas accueil, applaudissements, au revoir. Sortez couverts.